Il était une fois un village paisible, isolé dans les hautes montagnes d'un pays froid. Malheureusement, un affreux dragon s'était installé dans une grotte voisine. Et il ravageait les cultures, dévorait tous les animaux et brûlait toutes les forêts. Affamés, congelés et épuisés, les villageois étaient désespérés. Un jour de carnaval, pensant pouvoir tromper les gardiens du village, le dragon se déguise en lapin. Le bonnet est magique. Le dragon devient gentil. Plein d'un amour tout neuf pour les villageois, le dragon va les voir pour devenir leur ami. Apeurés, les villageois attaquent le dragon. Incapables de se défendre, ils se mettent à pleurer. Arrêtez, s'il vous plaît, je viens entrer. On ne te croit pas. Tu nous as fait trop de mal. Tu as brûlé tous nos arbres et nous sommes gelés. Laissez-moi vous prouver que j'ai vraiment changé. Aide-nous et on te pardonnera. Et c'est ce que fit le dragon. Depuis ce jour, le dragon veille à ce que les cheminées du village brûlent toujours, que les repas soient bien cuits et que les bains soient bien chauds. Et il vit heureux, déguisé en lapin, entouré de ses amis.